Annenberg Media. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. Mon Dieu. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. The doorbell again. Marie-Laure reports that it was a man in black asking if she had a sister who looked like an actress. She sent him away, and Mireille is outraged. Maybe that was her big chance. Meanwhile, Robert tries in vain to arrange room and board at the Bellows. Jeudi soir, on est toujours à table chez les Bellows. À ça, on peut dire qu'on y a travaillé sur cette maison de rue. Oh là là. C'est sans doute pour ça que je m'y suis tellement attachée. On sonne de nouveau. Tout le monde s'arrête de manger et de parler. Marie-Laure va ouvrir. Je me demande ce que ça peut bien être. Alors, qu'est-ce que c'était? Le frère de la bonne sœur de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah oui, il avait la même moustache qu'elle. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a demandé si je n'avais pas une grande sœur qui avait l'air d'une actrice de cinéma. Et qu'est-ce que tu as dit? Bah, cette question. J'ai dit que non, bien sûr. Quel culot! C'était peut-être la chance de ma vie de faire du cinéma. Maintenant, c'est raté. Enfin. C'est vraiment bizarre. C'est vrai, j'ai longtemps voulu être actrice. Je rêvais d'aller à Hollywood, jouer l'inconnu de l'Orient Express. Voyager, descendre dans les palaces. Maintenant, je ne sais pas. C'est fou ce que je me suis attachée à notre maison de campagne. Quand j'étais petite, je trouvais ridicule ce désir de beaucoup de Français d'avoir une petite maison à eux. Le genre mon rêve, mon repos. Et bien maintenant, en vieillissant, je commence à comprendre. Avoir une petite maison bien à soi, même si elle est très modeste. Je vois. Une chaumière et un cœur. Notre maison n'est pas vraiment une chaumière. D'abord, le toit n'est pas en chaux, mais en tuiles. Oh, de la tuile? Vous ne préférez pas de l'ardoise? Moi, je trouve ça tellement plus distingué. Ah, l'ardoise, c'est très joli, mais c'est plus cher. Et puis, ça doit être joliment lourd. Bon, c'est moins lourd que la tuile. Mais évidemment, ce serait trop lourd pour vos maisons en bois. Pourquoi dites-vous nos maisons en bois? Vous n'avez pas de maison en bois en France? Non, très peu. Quelques chalets en montagne. Mais à part ça, on construit en dur. En pierre, en briques, en blocs de ciment. En France, on aime ce qui dure. Votre maison de campagne est en dur? Bien sûr, c'est de la belle pierre du pays. Et les murs ont au moins 200 ou 300 ans. Et je compte bien qu'ils seront encore debout pour mes arrière-petits-enfants. Tu ne peux pas avoir d'arrière-petits-enfants? Et pourquoi ça? Tu es trop jeune, tu n'es même pas marié. J'ai lu dans Le Monde qu'il y avait plus de 300 000 étudiants à Paris. Où est-ce qu'ils habitent? Bien, ça dépend. Ceux qui ont la chance d'avoir leurs parents à Paris comme Mireille habitent en général chez eux, bien sûr. Et les étrangers? Certains habitent à la cité universitaire. La plupart des pays étrangers ont une maison à la cité. D'autres habitent à l'hôtel ou bien louent une chambre chez des particuliers. Il y en a qui habitent dans des familles. Ils ont leur chambre, un cabinet de toilette. Ils prennent leur repas avec la famille. Un seul repas ou une pension complète. Je croyais que les familles françaises étaient très fermées. C'est assez vrai dans un sens. Mais il y a des gens qui prennent des étudiants étrangers chez eux. Parce qu'ils ont un appartement trop grand pour eux, qu'ils ont besoin d'argent, des dames veuves, des retraités. Il y a aussi des gens qui veulent donner des amis étrangers à leurs enfants. La famille Bellows n'aurait pas l'intention de recevoir des étrangers par hasard? Vous savez, nous n'avons pas un grand appartement, nous n'avons que cette pièce. En comptant, la cuisine et la salle de bain. Je ne suis ni veuve, ni retraitée. Et Mireille n'a pas besoin qu'on lui trouve des amis étrangers. Elle les collectionne. En un an de fac, elle a réussi à connaître un Canadien, une Chilienne, une Algérienne, un Israélien, une Syrienne, un Tunisien, un Égyptien, une Italienne, une Japonaise, une Danoise, trois Anglais, une Allemande, deux Américains et un Roumain. Un Hongrois, un
un Turc, une Grecque, un Espagnol, une Russe et un Suisse. Et tu oublies un Suédois. Mireille parle de leur maison de campagne. Elle y est très attachée, parce qu'elle y a beaucoup travaillé. Ah ça, on peut dire qu'on y a travaillé sur cette maison de rue. Oh là là. C'est sans doute pour ça que je m'y suis tellement attachée. Elle s'est attachée à cette maison. Elle l'aime beaucoup. Attachée a d'abord un sens concret. Par exemple, le cow-boy attache son cheval. En avion ou en voiture, il faut attacher sa ceinture. Nous vous prions de bien vouloir attacher vos ceintures. Dans la mythologie grecque, Prométhée était attaché à un rocher. Ils sont attachés. La chèvre aussi est attachée. Et puis, il y a un sens moral. Mireille est attachée à sa maison de campagne, pas physiquement, mais moralement. Elle l'aime beaucoup. Elle est très attachée à sa petite sœur, elle l'aime bien. Marie-Laure est très attachée à tonton Guillaume, elle l'aime bien. Il faut dire qu'il la gâte beaucoup. Elle est très attachée à son oncle, il faut dire qu'il la gâte beaucoup. Tante Georgette est très attachée à Fido. C'est vrai, hein, on s'y attache à ces petites bêtes. Écoutez encore ce que dit Mireille. Ah ça, on peut dire qu'on y a travaillé sur cette maison de rue. Oh là là. C'est sans doute pour ça que je m'y suis tellement attachée. C'est pour ça que je m'y suis tellement attachée. Tellement marque l'intensité. Oui, remarque, t'as raison, les gens sont tellement bêtes. Oui, remarque, t'as raison, les gens sont tellement bêtes. Pourquoi vous avez mis le feu à mon cognac? C'est tellement plus beau. Oh! C'est tellement plus beau. Oh. Oh, je voudrais tellement connaître le truc. Oh, je voudrais tellement connaître le truc. Vous vous rappelez qu'au lycée, il y a beaucoup de matières à étudier. Il y a tellement de matières qu'on n'a pas le temps de faire de l'histoire de l'art. Il y a tellement d'autres matières à étudier. Pendant que Mireille parle de son attachement pour leur maison de campagne, on sonne. Marie-Laure se lève et va voir ce que c'est. Je me demande ce que ça peut bien être. Marie-Laure revient, très calme, et va se rasseoir. Alors, qu'est-ce que c'était? Le frère de la bonne sœur de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est simple. Tout à l'heure, on a sonné. Marie-Laure est allée voir. C'était une bonne sœur. Une drôle de bonne sœur, d'ailleurs, avec une grosse moustache noire. Une drôle de bonne sœur qui proposait des billets pour une loterie. Cette fois-ci, ce n'est pas la sœur, mais c'est quelqu'un qui lui ressemble. Un homme qui a une grosse moustache noire, comme celle de la sœur de tout à l'heure. Donc, ça doit être son frère. Ça doit être le frère de la sœur. C'est clair, non? Bon, maintenant, écoutez bien le dialogue entre Madame Bello et Marie-Laure. Ensuite, vous essaierez d'expliquer les choses à Madame Bello, qui n'a pas l'air de très bien comprendre. Alors, qu'est-ce que c'était? Le frère de la bonne sœur de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah oui, il avait la même moustache qu'elle. Maintenant, répondez à Madame Bello comme si vous étiez Marie-Laure. Alors, qu'est-ce que c'était? Le frère de la bonne sœur de tout à l'heure. Le frère de la bonne sœur de tout à l'heure. Le frère de la bonne sœur de tout à l'heure. Le frère de la bonne sœur de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah oui, il avait la même moustache qu'elle. 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 Oui, c'est pas mal. Mais recommençons encore une fois. Faites bien attention à la bonne sœur de tout à l'heure. Le frère de la bonne sœur de tout à l'heure. Allons-y. Alors, qu'est-ce que c'était? Le frère de la bonne sœur de tout à l'heure. Le frère de la bonne sœur de tout à l'heure. Le frère de la bonne sœur de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah oui, il avait la même moustache qu'elle. Bah oui, il avait la même moustache qu'elle. Bah oui, il avait la même moustache qu'elle. Ce coup de sonnette, c'était le frère de la bonne sœur de tout à l'heure. La bonne sœur de tout à l'heure. Tout à l'heure. Vous vous rappelez que tout à l'heure peut avoir un sens passé. Tout à l'heure veut dire il y a peu de temps. C'est un passé récent. Ici aussi. Mais tu connais l'Angelo Petré? Depuis quand? Depuis tout à l'heure.
Et ici aussi. J'ai téléphoné au Courtois tout à l'heure. Ou encore ici. Madame, c'est le monsieur de tout à l'heure. Ou encore ici. Quand je lui ai dit que maman la cherchait tout à l'heure, c'était pas vrai. C'était une blague. Mais tout à l'heure peut aussi vouloir dire dans peu de temps. Ça peut donc indiquer un futur immédiat, comme ici par exemple. Tu ne vas pas au musée ? Aussi tout à l'heure. Je pars demain. Enfin, tout à l'heure. Je pars demain. Enfin, tout à l'heure. Le monsieur qui vient de sonner a demandé à Marie-Laure si elle n'avait pas une sœur qui avait l'air d'une actrice de cinéma. Il m'a demandé si je n'avais pas une grande sœur qui avait l'air d'une actrice de cinéma. Mireille est tout de suite intéressée. Et qu'est-ce que tu as dit ? Bah, cette question, je lui ai dit que non, bien sûr. Tiens, cette question ! Quelle question stupide ! La réponse est évidente. Bah, cette question, je lui ai dit que non, bien sûr. Mais quel culot ! C'était peut-être la chance de ma vie de faire du cinéma. Maintenant, c'est raté. Quel culot ! Mireille n'est pas contente. Elle trouve que Marie-Laure a du culot. Quel culot ! Quelle audace ! Marie-Laure n'aurait pas dû dire ça. Regardez ici. C'est Marie-Laure qui trouve que Mireille a du culot, parce qu'elle a profité de son absence pour lui prendre sa place. Marie-Laure ! Oui ! Il y a maman qui t'appelle. Je sais, j'y vais. Eh bien, dis donc, tu as du culot ? Quel culot ? Allez, Oust, sors de là, c'est ma place. Eh bien, dis donc, tu as du culot ? Quel culot ? Allez, Oust, sors de là, c'est ma place. C'était peut-être la chance de ma vie de faire du cinéma. Maintenant, c'est raté. La chance de ma vie. Mireille avait peut-être une chance unique, une possibilité de faire du cinéma. Et maintenant, c'est raté. Elle a perdu cette chance. Elle a raté l'occasion. On peut rater une occasion, on peut rater un examen. Oh, zut, je suis collée. On peut rater sa vie, on peut aussi rater un train. Mireille a longtemps voulu être actrice. Vous vous rappelez, quand elle était petite, elle voulait être infirmière le jour et actrice le soir. Vous savez ce que je voulais être, moi, quand j'étais petite ? Je voulais être infirmière et actrice. Infirmière pendant le jour et actrice le soir. Je rêvais d'aller à Hollywood. Elle rêvait, elle imaginait, elle espérait aller à Hollywood, jouer l'inconnu de l'Orient Express, une héroïne mystérieuse dans l'Orient Express, le train qui va d'Europe en Orient. Un train plein de mystères et d'intrigues. Regardez cette publicité qui joue sur le mythe de l'Orient Express. C'était en janvier 34, dans l'Orient Express, que j'allais rencontrer celle que je ne devais jamais plus oublier. De celle que j'appelais l'Orientale, il ne me resterait désormais qu'une image et un parfum. L'Orientale, un parfum inoubliable. Quand elle était petite, Mireille rêvait de voyager, de descendre dans des palaces. Mais maintenant, elle a vieilli. Et elle devient comme tous ces Français qui rêvent d'avoir une petite maison à eux. D'être propriétaire d'une maison même très modeste, même très petite. Ces petites maisons qui s'appellent mon rêve, mon but, le destin, c'est la vie, mon repos, mon travail, murmure des flots. Minouche. Robert se moque d'elle. Je vois. Une chaumière et un cœur. Ah, je vois. Ton rêve, c'est le cliché banal. Une chaumière et un cœur. Une chaumière, c'est une petite maison très modeste, avec un toit de chaume. Autrefois, il y avait beaucoup de chaumières dans les campagnes. Mais aujourd'hui, c'est devenu très rare. Et un cœur, c'est le siège de l'amour et d'autres sentiments. Une chaumière et un cœur, c'est un rêve de bonheur dans une petite maison, très modeste, pauvre même, avec quelqu'un qu'on aime.
Mireille proteste. Notre maison n'est pas vraiment une chaumière. D'abord, le toit n'est pas en chaume, mais en tuiles. Il y a essentiellement trois sortes de toits en France. Les toits de chaume, très rares aujourd'hui. Ensuite, les toits de tuiles. On trouve les toits de tuiles surtout dans le Midi. Voilà un toit de tuiles. Plus que de voyage. Et puis, il y a les ardoises. Voilà des toits en ardoise. L'ardoise est moins lourde que la tuile, mais elle coûte plus cher. Elle est considérée comme plus élégante que la tuile. Les toits des châteaux sont presque toujours en ardoise. Les toits des maisons sont en tuile ou en ardoise. Et les murs sont en dur, c'est-à-dire en pierre, en brique ou en parpaing, en bloc de ciment. En dur, en matériau dur, comme la pierre. La pierre, c'est dur. Beaucoup de maisons sont en pierre. Les châteaux, les églises sont aussi généralement en pierre. Mais on construit aussi en briques. Il y a beaucoup de maisons en briques. Et il y a aussi de vieux châteaux en briques. Il y a aussi quelques églises en briques, comme par exemple la cathédrale d'Albi. On construit aussi beaucoup de maisons modernes en parpaing, en blocs de ciment. Mais on n'utilise pas beaucoup le bois dans la construction, sauf pour les chalets de montagne. En général, on construit en dur. C'est le verbe construire. Écoutez, voyons si vous reconnaissez le verbe construire. Mon père était architecte, et un jour il a construit une villa au bord de la mer pour un grand chirurgien. On utilise le bois pour les chalets de montagne, mais à part ça, on construit en dur. À part ça, à part les chalets, écoutez Guylaine. Il pleut à Rube, ben à part ça, ça va. En France, on construit en dur parce que on aime ce qui dure longtemps. La pierre, c'est solide, ça dure longtemps. Regardez le pont du Gard, il dure depuis presque 20 siècles, presque 2000 ans. La maison carrée de Nîmes aussi. La pierre dure plus longtemps que le bois. Les roses, c'est très joli, mais ça ne dure pas. Les chocolats non plus, ça ne dure pas. La maison de campagne des Bello est en dur, elle est en pierre. Et Mireille espère bien qu'elle va durer très longtemps. Bien sûr, c'est de la belle pierre du pays. Et les murs ont au moins 200 ou 300 ans. Et j'espère qu'ils seront encore debout pour mes arrière-petits-enfants. Debout, vous vous rappelez ? Ici, Mireille est debout. Et ici, elle est assise. Ici, elle est couchée. Debout, assis, couché. Debout, assis, debout, assis, couché. Debout, assis. Alors, vous travaillez debout, alors ? Regardez ce mur, il est encore debout. Ce morceau de mur est encore debout. La maison de campagne des Bello, c'est très intéressant, mais Robert s'intéresse davantage au logement des étudiants étrangers à Paris. J'ai lu dans Le Monde qu'il y avait plus de 300 000 étudiants à Paris. Où est-ce qu'ils logent ? Bien, ça dépend. Ça dépend. Il y a plusieurs cas, plusieurs possibilités. D'abord, il y a les étudiants qui ont leurs parents à Paris. Ceux-là habitent en général chez leurs parents. C'est plus simple, c'est plus commode, c'est surtout moins cher. Mireille, par exemple, habite chez ses parents. Et puis, il y a les étudiants étrangers. Là aussi, ça dépend. Il y a des étudiants étrangers qui habitent à la cité universitaire. Il y a des étudiants étrangers qui habitent à l'hôtel. Ils louent une chambre dans un hôtel, comme Robert, par exemple. Et puis, il y a aussi des étudiants qui habitent chez des particuliers.
il loue une chambre chez des particuliers. Un particulier, ça peut être Monsieur Pellot ou Tante Georgette, par exemple, quelqu'un qui n'est pas hôtelier. Un hôtelier loue des chambres par profession. Un particulier peut louer une chambre, mais ce n'est pas sa profession. On peut louer une chambre dans un hôtel ou dans une maison particulière. De même, il y a des taxis et il y a des voitures particulières. Ça, c'est un taxi et ça, c'est une voiture particulière. Voyons, demandons à cette jeune fille si elle est étudiante et où elle habite. Vous êtes étudiante ? Oui, je suis à l'université. Où est-ce que vous habitez ? Dans la banlieue parisienne. Où est-ce que vous habitez ? La cité universitaire ? Vous louez une chambre ? Vous habitez chez vos parents ? Non, j'habite chez mes parents. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui habitent dans des familles, chez des particuliers. Ils prennent pension dans une famille. Ils ont une chambre avec un cabinet de toilette. Un cabinet de toilette, c'est une petite salle de bain, mais sans baignoire. Il y a essentiellement un lavabo. Et ils prennent un repas, ou tous les repas, avec la famille. La demi-pension ou la pension complète. Je croyais que les familles françaises étaient très fermées. C'est assez vrai dans un sens. Dans un sens, c'est un peu vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de familles qui reçoivent des étrangers parce qu'ils pensent que c'est bien pour les enfants. C'est intéressant pour leurs enfants de connaître des étrangers. Quelquefois aussi, parce qu'ils sont seuls dans un grand appartement, une dame veuve par exemple, ou un retraité, un monsieur qui ne travaille plus, qui est à la retraite. Quelquefois, parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils n'ont pas assez d'argent. Regardez ce pauvre homme, il a besoin d'argent. Hé, copain, t'as pas 5 balles pour que je la remplisse ? Regardez Mireille ici, elle a besoin d'un livre. Tiens, tu peux me passer ce livre-là ? Et puis, elle a besoin d'une feuille de papier. Donne-moi cette feuille-là. Et puis, elle a besoin d'un crayon. Il me faut un crayon. Tu veux pas me chercher un crayon ? Qu'est-ce qu'il te faut encore ? Il te faut autre chose ? Vous êtes un artiste. J'oubliais. Qu'est-ce que vous avez contre les artistes ? On en a besoin. Qu'est-ce que vous avez contre les artistes ? On en a besoin. Tipou, tu sais que j'ai besoin de toi. Tu sais que j'ai besoin de toi. Cette conversation sur les étudiants étrangers qui prennent pension dans une famille donne des idées à Robert. La famille Bello n'aurait pas l'intention de recevoir des étrangers par hasard. Mais Madame Bello n'est pas d'accord. D'abord, leur appartement n'est pas trop grand pour eux. Vous savez, nous n'avons pas un grand appartement, nous n'avons que cette pièce. En comptant, la cuisine et la salle de bain. Et puis, Madame Bello n'est pas retraitée, puisqu'elle travaille encore au ministère de la Santé. Et elle n'est pas veuve non plus, puisque Monsieur Bello est là. Il n'est pas mort, il est encore vivant. Je ne suis ni veuve, ni retraitée. Et Mireille n'a pas besoin qu'on lui trouve des amis étrangers. Elle les collectionne. Elle en a beaucoup. Elle est très sociable. Elle a beaucoup d'amis de toutes les nationalités. Bah bon, tant pis. Robert va devoir rester au Home Latin. Oh, c'est dommage. Voyons maintenant ce que vous pouvez dire. Regardez, écoutez, réfléchissez et parlez. Est-ce que Mireille déteste sa sœur ou est-ce qu'elle est attachée à elle ? Elle est attachée à elle. Maintenant, Marie-Laure vous raconte quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous dites ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Votre sœur a pris votre place pendant votre absence. Vous êtes indigné. Qu'est-ce que vous dites ? Eh bien, dis donc ! Tu as du culot ? Quel culot ! Allez, oust ! Eh bien, dis donc ! Tu as du culot ? Quel culot ! Allez, oust ! Est-ce que ce toit est en chaume ou en tuile ? En chaume. En chaume, très bien. Est-ce que ce toit est en ardoise ou en tuile ? En tuile. En tuile, c'est ça.
Est-ce que ce toit est en chaume ou en ardoise? En ardoise. En ardoise. Est-ce que les murs sont en bois ou en pierre ici? En pierre. Et ici, ils sont en bois ou en briques? En briques. En briques, très bien. Et ce chalet, il est en bois ou en briques? En bois. En bois. Est-ce que Mireille est assise, debout ou couchée? Debout. Debout. Et ici? Assise. Assise. Et ici? Couchée. Couchée. Et ça, c'est un taxi ou une voiture particulière? Une voiture particulière. Une voiture particulière. D'après vous, ça, c'est un hôtel ou une maison particulière? Une maison particulière. Une maison particulière. Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur Guignol? Je dors, mademoiselle Mireille. Mais non, monsieur Guignol, ça ne va pas du tout. Vous ne pouvez pas coucher dans ma salle à manger. Vous rêvez. Justement, mademoiselle Mireille, je rêvais. Je rêvais que j'avais une petite maison bien modeste, une chaumière presque, qui s'appelait mon rêve. Oui, eh bien c'est ça. Allez dormir dans la maison de vos rêves, mais pas dans ma salle à manger. Allez, oust. Oh non, mais on n'est plus chez soi.